c'est que des tableaux sur peau, où il y a la calligraphie que j'utilise comme moyen d'expression. Cette calligraphie, qui est un style marocain, je casse un petit peu tout ce qui est classique pour avoir une certaine dimension abstraite. Par rapport à la calligraphie, par rapport à l'espace, par rapport au équilibre de plein et vide, par rapport à la surtout à la gestualité de la calligraphie, parce qu'une lettre, déjà une lettre, il y a toute une anatomie, il y a toute une certaine dimension à exercer, à pratiquer. Il y a toute une dimension, pas seulement spirituelle, mais il y a une concentration par rapport à la réalisation qui me demande un certain moment, une certaine réflexion, prendre le temps exact, faire les bons mélanges. Des fois, il y a le geste, il y a la pâte, des fois, il y a du grattage, il y a le mélange de couleurs pour avoir une certaine intensité de profondeur. Ce qui est génial, c'est de travailler librement sur des grandes dimensions pour avoir une dimension universelle. L'Arabi Cherkaoui, pour moi, n'est pas vraiment un calligraphe, mais je dirais un post-calligraphe. Ça veut dire qu'il a dépassé ce souci de la lettralité, ça veut dire le traçage de la lettre en tant que telle, d'une manière, disons, esthétisante. Son but à lui, il n'est pas vraiment dans l'écriture, mais dans la gestualité. C'est un gestualiste qui le fait avec beaucoup d'enthousiasme, un enthousiasme que je qualifierais d'expressionniste. Alors, il travaille en même temps le support, c'est-à-dire le réceptacle du produit à visualiser. C'est un support assez original, sinon original tout court, fait de petites cases ou de fragments juxtaposés, superposés, qu'il réunit en un ensemble de tableaux, en un tableau cohérent, et sur lequel, bien sûr, il le maroufle de peau, il travaille sur peau, ce qui est aussi un des traits de son travail en tant qu'originalité. Donc il trace les lettres, mais en même temps il extrapole, ça veut dire il anticipe sur le tracé pour interpeller, disons, une sorte de spiritualité. Il transcende, voilà, son travail est plutôt dans la transcendance du geste.